La comédienne Patricia Millardet est décédée le 13 avril des suites d'une crise cardiaque à l'hôpital San Camillo de Rome, où elle résidait depuis de nombreuses années, a révélé mercredi le quotidien Sud-Ouest, qui a repéré le faire-part de décès diffusé mi-avril en l'honneur de cette native de Mont-de-Marsan, Landes. Née en 1957, Patricia Millardet avait fait ses débuts en France en 1981 avec 50-50 de Claude Vidal. Les spectateurs français se souviennent de ses rôles aux côtés de Sophie Marceau dans La Boum 2 ou encore d'Isabelle Adjani et Michel Serrault dans Mortelle Randonnée, de Claude Miller. Inoubliable Sylvia Conti. Mais c'est surtout en Italie, son pays d'adoption, qu'elle avait principalement tourné, notamment dans le rôle de la magistrate Sylvia Conti, dans la série La Mafia, 5 saisons durant. Dans une interview accordée en 1990 au quotidien italien La Repubblica, elle revenait sur l'immense succès de ce rôle, « Je pense que Sylvia plaît au public parce qu'elle est morale, honnête et disponible. Les scénaristes ont écrit un rôle parfait. » En 2002, l'actrice avait dû démentir la rumeur selon laquelle elle aurait tenté de se suicider, expliquant qu'elle s'était évanouie après avoir suivi un régime trop sévère pour perdre du poids en prévision d'un rôle, rappelait La Repubblica, dans l'article publié en hommage à l'actrice le jour de sa disparition. Selon Sud-Ouest, elle sera inhumée dans le caveau familial de Villeneuve-de-Marsan, dès que la situation actuelle le permettra. Tôi là biên tập viên Hoàng Biên đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.